Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer notre premier projet sur l'Arduino. Donc, on va clignoter une diode LED. Donc, comment faire clignoter une LED? L'analyse de notre projet, on va allumer la diode, puis on va attendre 0,5 secondes ou 1 seconde ou 2 secondes, comme on veut. Puis éteindre la diode et finalement attendre 0,5 secondes. Puis on va faire le même cycle. On va faire la programmation par bloc sur logiciel un bloc. Puis on va transférer ou on va téléverser notre programme vers la carte Arduino. Et finalement, on va faire le câblage. Le câblage se fait comme ça. On va relier la broche numéro 10 avec l'anode de la diode. Le cathode de diode relié avec la masse GND. Logiciel en bloc. Donc on est ici. On va pilotage. Toujours pour commencer. La programmation en utilisant Arduino générer le code. Puis on va ici contrôle. On va dire répéter indéfiniment, c'est-à-dire toujours répéter le boucle. Pilotage. On va définir ici. On va allumer une LED comme ça. Mettre l'état logique de la broche 0, 1 ou 2 jusqu'à la broche numéro test. Mettre la broche 10 à haut, c'est-à-dire 1. Puis, on revient ici, contrôle. On dit attendre une seconde. Pilotage. Mettre l'état logique de la broche 10. Maintenant, c'est bas, c'est pas haut, bas. On revient ici, attendre une seconde. Donc, allumer la diode. Allumer la diode, attendre. Éteindre la diode, attendre. Et on répète le même cycle. Mettre l'état logique de la broche 10. À vous, attendre une seconde ou 0,5 secondes ou comme on veut, par exemple 0,5 secondes. Mettre l'état logique de la broche 10 à bas, puis attendre, on peut dire par exemple 2 secondes, mais on va faire 0 secondes. On a terminé notre programme. Comme vous voyez, c'est un programme très très, très simple, c'est pas difficile. Donc, je vais parler un petit peu sur la programmation en C. Je vais utiliser ça, ouvrir dans l'IDE Arduino. On va utiliser le... Oui. Donc, comme vous regardez notre programme ici, je vais corriger des choses. Par exemple, je vais effacer tout ça. Volt setup ici, pin mode 10 output, c'est-à-dire la broche numéro 10 et programmé en sortie. Void loop, on dit digital write 10 1, c'est-à-dire on va écrire sur la broche 10 1, un logique. Puis delay 0, delay c'est comme ça, delay 0,5 secondes. Digital write la broche 10 0, c'est-à-dire on va écrire sur la broche 10 l'état logique 0, delay 0,5 secondes. Je vais effacer ça. Je vais effacer tout ça. Maintenant, on va compiler notre programme ou vérifier notre programme. Donc, comme vous voyez, compilation terminée. Maintenant, on va téléverser notre programme vers la carte Arduino. Téléversement en cours. Ça y est, téléversement terminé. Maintenant, notre programme est dans la carte. Juste, on va faire un petit essai et on va faire le câblage. Ça y est.
Donc maintenant, on va faire le câblage ensemble. Comme vous regardez, on a besoin d'une plaque IC, une diode LED, deux câbles de connexion et carte Arduino alimentée et téléversée par notre programme. L'anode reliée avec le câble rouge, cathode reliée avec le câble marron. Donc maintenant, je vais relier l'anode avec la broche numéro 10. La broche numéro 10. Ça, 8, 9, 10. Et cathode avec le GND. Avec le GND. Ça y est. Hop, quand vous regardez donc notre diode LED.